Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la première sortie journal 509 pour ce maintenant. Rapidement, que nous présenter quelques titres qui prennent le développer. Premier ministre Ariel Henry, en tête collée avec tout l'autre membre du gouvernement, a visité le quartier général Lamy d'Haïti vendredi 17 mars 2023 dans l'objectif pour adresser la toute force Lamy et puis exprimer préoccupation sur l'insécurité à Cap Gangrené PIA. C'était l'occasion pour le chef primati a rappelé FADH là, tout PIA attend li pour venir porter secours. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a annoncé démarrage officiel enregistrement l'école en ligne et puis présenté plateforme enregistrement en ligne là à comment processus ça capable entamer. Parmi principes ça yo, email c'est premier principe qui doit respecter journée lundi 20 mars 2023 dans objectif pour connaître combien l'école qu'a fonctionné en ligne à comment il a fonctionné dans pays là. Si on l'école pas entamé processus ça, il pas besoin une possibilité pour participer dans examen officiel l'état. Force opposition radicale pour changement annoncé dépôt en plainte dans tribunal première instance Port-au-Prince mardi 28 mars 2023 contre premier ministre Ariel Henry pour incompétence li depuis 20 juillet 2021 pour jour journée jeudi a mélangé à pile massacre qu'a fait dans quartier populaire gang armé cap terroriser population et la trier. Dans sens ça Estrictia fait appel à toute population pour accompagner dans cadre des plaintes ça. Divers broquettes en coup d'Ortilus, Vendiolus, Nixon Julien et Raymond Lindor dénoncé directeur douane Saint-Macla Mario Monplaisir, yo dit qu'il t'a fait mauvaise gestion dans institution. Dans sens ça broquettes a yo mandé ULCC pour mener bon genre enquête sous façon directeur Monplaisir a dirigé douane Saint-Macla. C'est dit ça, il y a quelques autres qui prennent le fait essentiel. Journal là, arrêtez branché, pas déplacé. Merci à tout le monde qui était resté sur le journal là. Nous retournons après pause là pour développement. Premier ministre Ariel Henry n'a tête collée avec tout l'autre membre du gouvernement liant visité quartier général Lamy d'Haïti vendredi 17 mars 2023 dans objectif pour adresser la toute force Lamy et puis exprimer préoccupation li sur insécurité à cap gangrené pays a. Chef primati a rappelé FADH là tout pays a tann li pour venir porter secours pendant limiter accent sur toute calamité population a vivre dernier jour sa yo. En suivant le premier extrait dans l'intervention ligne, micro Joie Saint-Gelin et Alex Jean. Je suis là pour vous dire ce que le gouvernement de la République et le peuple haïtien attendent de leurs forces de sécurité. L'heure est grave. Situation malouque. Chaque jour, force fait noyau à balayer plus terrain. Pays noir a vécu un moment difficile. Quelques graines a tout fait, pas respecter femme. Quelques graines bandit, pas respecter bien monde. Quelques graines haïtien, pas respecter la vie, pas respecter la loi. Depuis plusieurs mois, bien côté monde pas capable. De l'autre côté, moun s'est obligé quitter Kayo, prendre refuge sous place publique ou bien Kayo ami. Ce n'est pas même gen assurance que gang armé pape réenvahir. Moi à l'écoute, réflexion population. Moi tendez sa compatriote nou yo a dit sur radio, dans les réseaux sociaux. Et là, yon relim nan téléphone. Yon dim, pour qui ça, gouvernement, pa bay la mi l'ode, pour bay la police, yon coup de main. Mwen ta remè sa clé pour tout le monde. Zafè mè tien l'ode, kouri de volè, arrêté assassin, fè respecter la loi, et assurer sécurité publique en général, c'est travail la police avec la justice. Travail ça yo, la police a fait yo chaque jour, malgré moyens limités. Si la police pas multiplié opération contre gang yo, situation t'a pas fini net.
leur situation dépasse niveau sécurité publique pour tourner un problème sécurité nationale, nous devons admettre la police administrative et la police judiciaire pas formée pour faire face à problème sécurité nationale. Unité spécialisée qui dans la police là pas suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. Sous même lancé à locataire primati a rappelé sécurité vini première priorité peuple haïtien, c'est dans même ordre l'idée ça gouvernement décidé mobiliser toute force pays pour établir sécurité. PM l'a plaidé pour toute énergie la mia avec la police mettez ensemble dans tête collée avec support population pour croire en sécurité dans pays d'Haïti. Gouvernement promet pour changer moyens nécessaires pour bailler force l'audio combattre fait noir ça qui gagne dans pays. Ariel Henry toujours a parlé dans le micro, Joie Saint-Gelais avec Alex Jean. Nos sous-officiers et à nos soldats, quand c'est temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. Je dis à nous besoin tous force sécurité nous yo. Nous besoin détermination qui déhabite l'armée indigène. Nous besoin mettre ensemble toute énergie. Énergie la police à toute unité spécialisée yo. Énergie l'armée à collaboration yon peuple haïtien uni. Pour nous mettre fin à zak criminel cap fait sous population. Abraham dit c'est assez. Faut que bagay ça fini. Moi vinn di aujourd'hui hein, peuple haïtien c'est pour nous compter sous force l'ordre nous. Moi vinn di nous pays a besoin de nous toutes. Moi vinn di nous li fait noir depuis trop longtemps. Par là, par les tous côtés, dans tout département, tout partout sur la terre, côté qui est haïtien. Pays pas contre coupé, fâché avec l'histoire. C'est vrai, il y a un pile bagaille qui passait. Mais, n'a compté sur tout ça qui était passé, déjà, comme expérience. Pour nous faire tout ça qui est possible pour gagner un pays meilleur pour tout le monde. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui, nous allons continuer à faire sacrifice pour nous joindre moyens, pour nous équiper toute force sécurité nous, puis bien. Bayo, ça a besoin. Et mettez-vous dans la situation pour répondre le nous demander. Marchez pour mendi, croyez toute gang qui déclare nous la guerre. N'a toujours été dans le dossier sécurité, coordonnateur général Founodla Rosemont Jean fixé position sous visite PM Ariel Henry dans le quartier général FADH vendredi 17 mars 2023. Rosemont Jean qui continue de dénoncer Ariel Henry pour implication dans la mort ancien président Jovenel Moïse et va quitter de l'eau dans la bouche li pour demander à Clamia pour ouvrir dans le dossier si là. Si tout rappelé yo ancien président Jovenel Moïse, c'était commandant en premier institution. Même temps, coordonnateur a fait connaître ces pile déception l'autre pays yo bay chef primatia qui incitait le réfugié dans bras la Médaïti. Plus de détails dans micro Franklin Pierre à Price Blanfort. Déception après calotte, les fins prennent dans même pays, les tapent en occupation pays à la main. Nous tous connaissons, dans toute réunion Ariel Henry fait, la Médaïti pas de jambe dans le dossier Ariel Henry. D'ailleurs, ensemble de gens qui là, qui fait partie du gouvernement, ça, ils ont traité, ils ont dit qu'on a dit, l'armée pour banane, l'armée green soul, on sait le green soulier, l'armée ceci, l'armée cela, l'armée de Jovenel Moïse. Eh bien, nous rendons compte, jodi a, M. Ariel Henry a l'armée ça comme sauveur personnel.
c'est pas pour rétablir, c'est pas pour sécurité pays là que Ariel Henry a cherché la mer. Ariel Henry a cherché la mer parce qu'il estime jodi a police a craser dans même. Il pas gain contrôle police et la police dépassée par les événements. Mais moi même ça me besoin que la mer a comprendre. Officiers, sous-officiers, soldats. Ou ba nous coup déjà. Nous pas accepter, nous pas accepter pour un deuxième coup dans la mer d'Haïti. La mer d'Haïti ba nous premier coup. Nous pas voulons deuxième coup dans la mer d'Haïti et c'est pour ça nous fait confiance à matin. D'ailleurs, la mer a connu qui rôle qui combat nous mener. En bas la valasse pour remobiliser pour là. Il a assassiné le commandant chef, Jovenel Moïse, ou pas dire rien, ou quoi c'est bon. Depuis 8 juillet, vous avez une mission, vous avez pris charge du pays pour rétablir l'autorité, pour rétablir la paix, et puis pour rejoindre le monde qui a assassiné le commandant chef. Il n'y a pas de besoin de ça. Pas de besoin de monde qui a dit l'armée, vous avez le commandant chef. C'est Jovenel Moïse qui remobilise, c'est Jovenel Moïse qui est président de la République. C'est Jovenel Moïse qui est commandant chef. Il a assassiné le commandant chef lâchement là. Eh bien, ou tenu pour que vous connaissiez comment, pour qui ça, qui raison. D'ailleurs, vous êtes doué dans une situation de guerre. Parce que depuis que vous êtes président, vous êtes dans une situation de guerre. Vous acceptez de tuer Jovenel, et vous même êtes dans la case nous. Je dis à. Les criminels sont tellement senti confortable avec vous. Il a déplacé, il vient la caillou, il a le cherché pour venir renforcer. Ariel Henry, c'est un présumé assassin. Qui ça, Jovenel Moïse Ateye, commandant en chef des forces armées d'Haïti. C'est Jovenel qui remobilise l'armée. D'ailleurs, les Jovenel, tu as pris l'initiative pour remettre l'ordre dans le pays. Il fait recruter près de 400 militaires. Au Sénégal, c'est ancien l'armée. Qui prend formation en Israël pour te faire pénétration au village de Dieu, laisse à Jovenel Moïse pour aller mettre la main dans Moudaro. Pays apprend du fait, il dit Jovenel pour aller trouver petit peuple en village de Dieu, Jovenel c'est ci, Jovenel c'est là. Et puis dans le dossier l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a annoncé le démarrage officiel enregistrement l'école en Lyon, journée lundi 20 mars 2023. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, fait qu'on ait recensement si là, c'est un objectif pour qu'on ait combien l'école a fonctionné en ligne et comment il a fonctionné dans le pays. Le ministre a continué pour le dire, si l'école n'a pas entamé le processus, il n'a pas besoin de possibilité pour participer dans l'examen officiel l'état yo. En suivant plus explications dans micro Franklin Pierre à Kervin Loriston. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle content annoncer public en général, annoncer communauté l'école là démarrage officiel à partir lundi 27 mars recensement général pour toute l'école, non deuxième temps, pour tout professeur l'école qui pourra le faire en ligne sous plateforme système information gestion l'école là que le ministère a mis en place. Ça rentre dans le cadre application 12 mesures qui dit dans mesure 1, il faut que tout professeur l'école ont permis pour être capable d'enseigner. 2, faut toute l'école yo capable enregistrer comme ça doit et gagner autorisation pour fonctionner sous territoire. Ça rentre dans le cadre modernisation l'école là que l'État haïtien, gouvernement et ministère de l'Éducation nationale a mis en application. Pendant le ministère a géré urgence que conjoncture a gagné, mais il n'a pas oublié tout, faut continuer avec tout chantier modernisation, tout chantier transformation de l'école. Là. Qui donc, toute équipe ministère, toute direction dans le ministère, il y a un effort qu'il y a fait avec tout partenaire pour nous capables de gérer l'année l'école difficile, là, nous avons géré l'urgence, mais en même temps, tout, nous tout focus sur réforme, sur modernisation, sur transformation. Matin,
technicien ministère vient présenter qui Jean opération enregistrement en ligne toute l'école et donner l'école YouTube qui vient pour avec tout professeur tout pour le fait. Ça n'a présenté la matin, il est obligatoire pour toute l'école. Parce que si on l'école pas inscrit, enregistré et joindre autorisation ministère après le fin rempli comme ça doit formulaire en ligne, eh bien, il n'y a pas inscrit aucun petit monde dans l'examen officiel, quitte cet examen 9e année fondamentale, quitte cet examen baccalauréat. Ce qui est important pour nous dire, c'est que le chantier gouvernance, ça, est important pour nous connaître exactement combien l'école a fonctionné dans le pays, hein, qui côté a fonctionné, et est-ce que vous méritez pour renouveler l'autorisation ou bien si vous avez plus de bagages pour faire avant le ministère renouveler l'autorisation. Et bien, coordonnateur général, unité système information, ministère éducation, à Luc Jean Batol, présenté plateforme enregistrement en ligne à comment processus ça capable d'entamer. Parmi principes, ça y est, email, c'est le premier principe qui doit respecter, selon coordonnateur général là. Recensement, si là, c'est pour permettre chaque école gagne un code unique à qui les vieux, un identifiant unique dans objectif pour l'école y'a gagné, y'a permis pour y'a fonctionner. Plus de détails toujours dans le micro Franklin Pierre à Kervin Loriston. Enregistrement en ligne l'école yo a permettre que nous passer dans la première étape de recensement l'école yo pour nous identifier non seulement l'école qui existait déjà, mais tout, nous, toute nouvelle école qui est capable de déclarer tête yo à travers la plateforme. Et dans la même logique, ça, nous avons supposé gagner beaucoup de l'école, yo, liste tout enseignant, yo, mais tout élève que l'école ça a gagné. Et là, pour nous constituer, ça nous est la base de données des écoles, la base de données des élèves et la base de données des enseignants. Parce que chaque élément dans le système doit être un identifiant unique. Chaque école doit avoir un code unique, chaque élève doit avoir un identifiant unique qui vous permet de suivre le parcours dans le système. Non? Et chaque enseignant a tout, parce que c'est ça qui caractérise fortement un système d'information qui est intégré, qui dispose de données fiables. Et déclaration de l'école, li déterminant pour l'école ça a inscrit élève yo dans examen officiel et tout pour yo gagner un permis pour l'école ça yo gagner un permis de fonctionner Jean d'ailleurs lui-même li exigeait. Donc rapidement nous capables passer à étape qui permettent que l'école là li inscrit tête li en ligne. Alors pour l'école là inscrit tête li en ligne, faut-il bien que au départ l'école là gagne un email et ces email ça cap valider et cap permettre que l'école là li enregistre tête li. Donc li gon email valide qui permet que li identifier tête li. Automatiquement nous valider email ça et men ap retourner ba li un code, une clé qui permet que nous dit email ou a bon. Et c'est pour la première étape dans la déclaration. Ensuite, l'école là a gagné à partir de code que nous transmettons l'IA, identifier fondateur l'école là et identifier l'école là lui-même, positionnement l'école là. Et ensuite, après étape ça, eh bien, l'école là a gagné ça nous relé un numéro que n'a bali. Et c'est numéro ça qui a permis que l'inscrit élève dans l'examen et d'y aller dans d'ailleurs pour suite pour le capable gagner un permis de fonctionner. C'est moment pour nous prendre une deuxième pause dans le journal là, restez branché, n'a pas tourné après. Nous retournons après pause les amis téléspectateurs pour ces informations yo, n'a continuer avec dossier politique.
Parti politique intégration nationale dit li prend note sous travail qu'a fait dans niveau la Cour cassation ak CSPJ une façon pour justice là capable répondre ak tâche li gagné comme ça doit. À côté justice là pin rete quoi ces problèmes insécurité a qui pour résoudre d'abord dans pays a surtout dans département l'Ouest ak la Tibonite. Pin mandé HCTA ak gouvernement mandé ONU support pour l'état capable acheter matériel qui ka fait force carré ak bandi yo. Coordonnateur adjoint Pinlan, ingénieur Guillaume Duperville, plaide pour un soulagement dans condition la vie peuple haïtien. En suivant intervention li dans micro Joie Saint-Gelin ak Alex Jean. Jodi a Pin rive prend note. Son travail qu'a fait dans niveau la Cour cassation ak CSPJ. Yon façon pour la justice la capable répondre à tâche que li gagnent pour li résoudre un peu problème au niveau de société haïtienne. À côté justice là, pin rete croit que ces problèmes insécurité y a qui pour résoudre principalement dans deux gros tontons départements. Dans deux départements ça yo, ou après c'est le département de l'Ouest qui sont gros tontons départements et département de l'Artibonite côté que avant nous rentrer dans les affaires après l'élection, ça qui paraît plus probable dans le moment ça n'a pas parlé là, c'est la constitution haïtienne qui est malade toujours. Pour nous pencher sous lui, pour nous manier fort pendant que nous résoudre le problème de sécurité. Oui, nous sommes capables. Oui, il est possible. Oui, Haïti a gagné sécurité pour tout le monde vivre libre et libre, pour vaquer à toute occupation, pour tout le bagaille commencer à reprendre place. Mais je ne j'en dis pas, nous-mêmes dans le pays, nous constatons que le bagaille a mal passé. Moi-même, pas en sécurité. Nous-mêmes, la presse, nous pas en sécurité. Promoteurs, pas en sécurité. Peuple haïtien, pas en sécurité. Étrangers, pas en sécurité. Mais seul bagaille, nous dit, tout le bagaille possible, nous besoin. Volonté, moyens, capacité, et puis pour nous atterrir, pour nous faire ça, nous faire dans le pays. Et vis-à-vis à la population haïtienne, non, puis nous pensons, c'est là pour nous commencer. C'est un moment qui propice pour nous toucher, point ça, qui est très important, parler avec le gouvernement, chita avec l'État, pour nous dire, bon, si nous avons fait 100 gouttes, on nous a fait 90 gouttes, 95 gouttes, 50 gouttes, et même 25 gouttes, même si c'est possible, mais c'est pas le cas de répondre, a besoin de parler à tout, laisse la population a jeté un coup d'œil sur eux, après que mon travail que le secteur privé a fait pour la population, pour dire, mon yon à l'école. Mes amis, moi, songe que ça a 4 à 5 jours pour me balancer une anecdote, moi, dépensé 640 gouttes, presque 650 gouttes. Pour faire boîte, pour me voyer petite dans l'école. Finalement, il n'y a pas qu'à faire boîte, la vraie. Bon, c'est ça qui est plus mal que moi, que yo, que l'autre yo. Donc, mes amis, on faut passer main sous marge de manœuvre que nous avons fait yo, et de profit que nous avons fait yo, pour que nous, et dans la situation ça, côté que peuple haïtien, t'es qu'à aller en souffle, que nous dit que, pour nous finir là, et dans le quatrième point, et nous dit que, finalement, le nous va, ouais, tout petit bagaille ça yo commencer résoudre, commencer discuter, commencer jeune solution, nous pral parler des affaires élection. N'a toujours été dans dossier politique, force opposition radicale pour changement annoncé dépôt en plainte dans tribunal première instance Port-au-Prince mardi 28 mars 2023 contre premier ministre Ariel Henry pour incompétence li depuis 20 juillet 2021 pour jouk journée jodi a. Mélangé à pile massacre qu'a fait dans quartier populaire yo, gang armé cap terroriser population et la trier. Dans sens ça, Estricti a fait appel à toute population pour accompagner yo dans cadre dépôt plainte ça. Plus de détails dans le micro Franceline Pierre avec Price Blanfort. Fait moi, économie pays a crasé net, taux d'inflation augmenté, côté gouda a déprécié. Chaque jour, nous besoin, journée aujourd'hui, 160 à 170 gouttes pour 1 dollar américain. Peuple a pas de pouvoir d'achat, c'est chômage qui a augmenté chaque jour. Et pendant ce temps, M. Damio monte gaz là pendant deux fois. Pendant 20 mois, des accords signés pour payer Ariel Henry Kembe pouvoir plus toujours n'en fait passer côté pipiti chaque jour 5 à 10 moun tombé en bas de l'assassin. Pipiti 7 à 12 moun
kidnappé par bandit armé CSPN non qui gen en tête du docteur Ariel Henry pas dit rien parce que ça fait affaire yo 20 mois côté gouvernement Ariel Henry a ak allié yo tant coup SDP fusion vérité unité ak tête ensemble qui c'est un gouvernement qui est formé que nous dit gouvernement ça y a dirigé son gouvernement anti peuple anti changement mais gouvernement ça qui viole la constitution haïtienne non n'a crasé toute institution étatique yo n'a installé 8 juges dans cour de cassation illégalement dans sens ça force opposition radicale pour changement mandé population haïtienne non à tout citoyen engagé pour accompagner nous jusqu'à mardi 28 mars 2023 côté nous va porter plainte dans tribunal première instance de Port-au-Prince cabinet d'instruction contre docteur Ariel Henry qui c'est premier ministre gouvernement contre madame Nine Prophète qui c'est ministre de la justice contre docteur Ariel Henry ministre intérieur encore contre et monsieur France LB directeur PNH là contre monsieur Sefor qui c'est IGPN et inspection générale police nationale là contre Maître André Michel Tou, qui se porte-parole gouvernement, contre Roselyne La Petit Frère, femme de fer du gouvernement, contre Madame Edmond Smith-Bozil, et Majorie Michel, Mounsao, qui a gouverné le pays, qui a gagné le pays, dans la dérive, je ne j'ai dit, que nous y aujourd'hui. L'autre dossier, lancement officiel concours jeunes leaders d'Haïti, dans l'intention de toutes jeunes femmes et jeunes garçons qui travaillent dans un domaine quelconque dans le pays, mais qui besoin plus projecter braquer sous eux. Concours là réunit divers jeunes qui sont dans plusieurs départements dans le pays. Ils visent mettre leadership jeune en valeur. Ils ont divers champs dans le concours qui a fait en trois phases. Organisateurs ont une association citoyenne pour relancement social pour mettre en pile soutien à participants. En suivant un extrait dans l'intervention Tamara Revolus dans le micro, Joie Saint-Gelin avec Alex Jean. Le concours Jeunes Leaders d'Haïti, c'est un concours de leadership jeune. Ce n'est pas un concours qui va le faire jeune leader. C'est un concours qui pour jeunes qui font effort dans la communauté. Ça veut dire dans chaque communauté, il y a des jeunes qui ont fait un travail qui est important, côté que en pile monde pas vraiment ouais qui s'est réglé dans la communauté. Le concours ça là pour ça. Il est là pour mettre projecteur sur jeune ça pour faire monde connaître qu'il y a tel jeune qui était dans tel département, dans telle commune qui fait un travail important que nous méritons pour nous applaudir, que nous méritons pour nous connaître. Travail ça dépend de champ. Et jeunes n'ont pas évolué. Et des jeunes, c'est là, tant que moi-même, j'ai participé dans le concours de l'année 2021. C'est moi-même qui suis arrivé championne concours. Donc, moi, j'ai évolué dans le champ environnement. Il y a des jeunes, c'est dans le social, il y a des jeunes, c'est dans la partie économique, il y a des jeunes, c'est dans l'éducation. Dans quel que soit le champ, jeunes ont évolué dans la communauté, ils sont capables d'inscrire dans le concours. Parce que vous êtes capable d'aider la communauté à quel que soit sort qu'on fait. Ok, le concours, c'est un concours qui a duré 3 mois. Et il a fait sur 3 phases, il a duré 3 mois. Et la première phase, là, je vais vous remettre un plan. Il y a un plan de travail que l'abdé pour faire une activité dans la commune. Et puis après évaluation de l'activité et que après des sujets donnés, la passer dans la deuxième étape. La deuxième étape, là, c'est côté jeune encore pour faire une autre activité dans la communauté. Et après l'étape, ça, on est capable de gagner 10 finalistes qui vont qualifier pour le final concours. Ok, soutien nous, nous offrons des formations. Côté que y a capable quel que soit domaine y a évolué là-dedans, nous offrons des formations pour ça, nous bayons des encadrements tout pour capable connait comment pour faire activité en dans zone bolakayo. Et puis l'autre bagage que nous offrons jeunes une page Facebook nous en tout pour capable permettre nous vendre activité jeunes ça faire dans communauté là. Donc nous bayons visibilité que il pas gagné avant concours en fait en partenariat ensemble avec MJSAC et qui coiffe parce que à Carizo pour qu'on parle qui sont organisation de jeunesse pas qu'à coiffer jeunes leaders d'Haïti parce que c'est un concours national. Donc nous obligé gain apport et MJSAC pour qu'à coiffer jeunes leaders d'Haïti en nous. Mais OK pour trier de la part que nous lancer concours nous t'ai gain environ presque 250 jeunes dans tous 10 départements qui étaient intéressés à inscrire. Mais là nous arrivé dans dernière étape, c'est vraiment jeunes qui portaient plan
activité qui pi bon qui pi focus là nous rive kembe pour capable présent la jodi a quel que soit département moun nan yal ka inscrit et malgré insécurité a nous essayer venir ensemble avec des méthodes cap permettre jeunes qui pas dans commune qui pas dans Port-au-Prince participer là-dedans et puis dans dossier qu'il dit organisation progressiste Sicastro dans tête collée avec festival résistance lancé 4e édition festival résistance pour année 2023 en baptême à gauche pour aller dans objectif pour sensibiliser population et spécialement jeunes yo pour bataille pour bien-être yo festival si la gain la dalle conférence débat performance artistique et musicale il a trié Jean Gardi Serville plus connu sous nom Rebel Pacamo pour plus de détails dans micro Franklin Pierre à Kervin Loristan nous sommes sur 4e édition j'aime tout dire ça 4e édition il lancé officiellement jeudi à journée lundi 20 mars à la fini vendredi 24 mars mais nous avons ensemble activité en pré 4e édition côté de gain lecti qui était fait devant l'hôpital général en solidarité avec le mouvement médecin résident. Il y a plusieurs conférences de débat qui ont été faites dans la faculté de droit, qui c'est base organisation Picasso. Il y a une projection qui a été faite, il y a une autre activité d'animation culturelle qui a été faite. Pour la 4e édition qui commence aujourd'hui, il y a une dizaine de spectacles, que ce soit un spectacle de musique et un spectacle de théâtre. Il y a bientôt plusieurs conférences de débat, plusieurs ateliers, tant qu'atelier et écriture. Poésie avec Lionel Touillot, atelier rap avec engagement avec défi pour être révolté, etc. On a bien causerie, on a bien tout ensemble, conférence débat. Et je nous connais déjà, invité d'honneur, nous, c'est Kébéba. C'est Kébéba, c'est un cap célébré, ou bien capable de commémorer 10 l'année comme artiste engagé, 10 ans de résistance. Donc, nous pensons que c'était le moment pour nous honorer, pour tout garçon ça. Donc, nous avons plusieurs activités, côté parmi les artistes, on a bien. Jacques a déjà fait une mise en scène pour nous. Nous avons You, nous avons Rolando Etienne qui fait une mise en lecture, nous avons Défi pour être révolté, ce qui sont un peu engagés. Nous avons Kébé Bastien, Rébé Pacamo, Bi François qui a fait concert par la Jodia. Donc, c'est 2 à 3 spectacles par jour pendant la semaine d'activité. Et dernier jour, qui est vendredi, toute activité va dérouler dans la faculté de droit, côté à une exposition de gauche qui croit que pour nous arriver, nous supposons bataille. Pour nous arriver dans une transformation radicale dans la société dans vivre là. Donc, une transformation qui a passé de un chambardement total de système capitaliste à l'union là, côté un petit groupe qui a toute richesse, en majorité à Bagan. Donc, c'est une semaine de sensibilisation pour essayer de sensibiliser que ce soit des petits bourgeois dans l'espace université ou bien masse populaire ou même pour nous dire, nous supposons bataille, c'est une bataille pour la liberté, c'est une bataille pour nous tirer tête, nous sommes en journée aujourd'hui là. Donc, nous deux batailles et Chimé à Balot, c'est à gauche pour nous aller pour nous gagner une société qui est sous base égalité, qui est base toute liberté. Bon, nous-mêmes, nous sommes ensemble, jeunes, qui, dans chaque activité que nous faisons, nous toujours tenons compte de la réalité qui vient entre classes dans la société. Donc, il y a 2 classes qui ont perpétuelle contradiction et que nous-mêmes, nos propositions, beaucoup de classes qui semblent nous en classe sociale, c'est catégorie masse populaire. Donc, nous-mêmes, ça, nous sommes capables de nous en plus, c'est des éléments culturels surtout. Parce que et généralement, quand on est ensemble de monde, soit dans la littérature, soit dans la musique, soit dans le petit. Donc, et nous connaissons les outils culturels, ils sont très efficaces, que ce soit dans la ou bien dans la construction. Et nous-mêmes, nous allons dans le sens pour aider à construire un modèle société, nous-mêmes, dans la première. Nous arrivons à un moment pour nous prendre 3e pause, nous restons branchés, pas déplacés. Information après possible après pose là dans département Latibonite dans dossier corruption Tortilus Vandiolus Nixon Julien Acrémont Lindor dénoncé directeur douane Semakla Mario Bonplaisir yo dit qu'il t'a mal géré boîte là broker ça yo mandé ULCC pour mener bon genre enquête sous façon directeur Bonplaisir a dirigé institution en suivre déclaration yo dans micro correspondant dans Latibonite Daniel Daniel pour Island TV il finit avec tout le monde. Monsieur finit à tout le monde parce que monsieur depuis le fait que monsieur Semak monsieur construit base dit. Base monsieur c'est lui même avec William David Tibozo Fenel les Gonaïves Fenel Deus Fenel et puis Blaise Jean-Pierre les ça fait si base Haïti en action yo. C'est pour mon plaisir moi même Jean-Lier mon plaisir pas supposé Semak parce que la vie raquette devant douane Semak fini. Directeur mon plaisir fini. Il mettait toute taxe exagérée. N'a demandé direction générale pour prendre décision
pour lever directeur Monplaisir, pressé, pressé, parce que directeur Monplaisir vient choisir un petit clan pour le satisfaire. Je n'ai pas de problème si doit nan te monter, le te monter pour tout le monde. Mais s'il monte pour X, il pas monter pour Y, laisse ça ou vient faciliter un groupe. Eh bien, dans ce sens, nous pas d'accord, nous pas prendre, et ça fait, nous prenons chemin la presse pour direction générale prendre décision pressée, pressée, parce que directeur Mario, il vient là avec une question de palette. Côté la fond cob qui exagéré, qui dépassé par rapport avec quantité cob client yoté qu'on dédouane palette. Et bien nous mandé pour ILCC tout. Font intervention pressée, pressée sous douane Semak par rapport avec Jean douane marché là. Et nous ILCC commencé bien déposé là par rapport avec un paquet de politiciens, un paquet de direction générale, un paquet de directeurs généraux. Mais on a demandé dans Casemac là pour ILCC faire intervention pressée, pressée, vite mener enquête parce que Semak nous pas capable encore. Eh bien, il y a décidé de directeur Omelbel pour corruption. Mais je dis à vous, voyez, directeur Monplaisir, bah nous Semak, son façon nous venir casser pour nous. Pendant le pays a une crise, je dis à la, petit malheur pas qu'à manger, c'est gang qui a fait la rage de tout côté. Nous-mêmes, ça nous gagne comme zam, si on bord nous gagne dans nous, devant douane pour nous chercher la vie, pas tête nous, pour famille nous. Et toute commune, les vivent des douanes. Pendant bon bout de temps, nous avons ancien premier ministre de facto, jout te prend une décision pour dire, charge pas venir c'est mal. Depuis l'OA, douane n'a sans s'écraser. Mais je dis à, nous avons venu avec directeur Monplaisir qui vient dégénérer par la lettre. Mais c'est comme nous avons dit, directeur Monplaisir a mis une machine pour yon moun de yon de yon nan nou, 1 million de gouttes pendant qu'il a mis 100 000 gouttes pour un particulier, pour un groupe lié, pour réseau qu'il gagne. Je dis à la, pas une autorité, c'est vrai, le pays a pas dirigé, il n'a pas gouverné, mais nek qui soit disant que c'est autorité dans la ville là, yon la gagne nous même, nek qui devant douane ou bien raquette devant douane ou bien bokeh devant douane. Qui ça nous prend le fait? Je dis à tout le monde visé yon sous fait passeport. Mais je dis à la, pendant yon visé yon sous fait passeport, pas un commissaire gouvernement, pas un vice-délégué, pas un commissaire police, pas un monde, nous l'avons déjà avancé. Mais je dis à la, nous connaissons un phénomène qui vient dans tout le pays, assez gang, cap ferrage. Est-ce qu'il y a des demandes pour nous gang nous-mêmes? Pendant la guerre, nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Nous ne pas tirer sur ça même. Nous ne pouvons pas tirer sur ça. Nous sommes tête 4. Mais je dis à, groupe ça qui vient, un réseau ça qui vient. Monsieur Babi, non, Fenel, c'est un blessé qu'on a habitué à battre dans l'église catholique. On a dû tirer sur nous, nous ça bien. Mais je dis à la, c'est même les ça qui campent. C'est eux même encore qui te voient écraser. Jusqu'à maintenant, DGI pas jamais ouvert, c'est les ça qui fait. Nous passons ça au paquet, et pas dès qu'on n'est pas brassé qu'on a. La continue information dans le département Grand Nord pays d'Haïti, prix billet qui passe span monté pour Miami Ville au Cap, bay plusieurs jeunes opérateurs qui tirent le sauté. Sous qui quantité étranger cap descend dans Ville au Cap tout bon pour venir participer dans pléiade d'activité cap commencer fin mars pour mois avril là. Magistrat en après ville là Patrick Almonor mettait accent soumisé mairie l'a dirigé à Akispan décidé faire dans ancien caï antenor fermé dans rue 18L citadelle à l'aube musique classique dans toute ville là. Et spécialement dans palais sans souci à citadelle pour fin mois mars là à mois avril. En suivant un extrait dans déclaration Patrick Almonor dans micro Kodadaï Road pour Ellen TV. 18 et J, c'est ça, I ou J, I, côté que mairie a les mêmes pour le moment, projet sur le même, travail force centre mémoriel et longtemps de Timon Léonaval, de Kai Frère, les mêmes montées de 18 là où les mêmes descendent, t'es un petit musée en bas l'école, c'est là, c'est Jacques Sam qui était là, t'es un musée qui était là. Malheureusement, Kai ça a boulé. Nous pas ouais, son patrimoine que lié parce que c'est Antenor Firmé, c'est le président Antenor Firmé qui a son patrimoine. Mais rien, dans le travail que l'on a fait avec Ispan, nous avons un projet pour nous réorganiser l'espace en dans le bon musée. Nous avons retourné avec le musée qui a gagné sur le Cap-Haïtien, un musée municipal. Nous avons gagné un centre mémorial qui parle de histoire, de culture, de côté nous sortir, tout ça nous gagne. Nous avons gagné dans l'espace. Maintenant, même ça, on a parlé logique. On a dit Cap-Haïtien pour gagner, et Cap-Haïtien, il s'est mis le fanfare. Après, il y a un défilé fanfare, pour que tout fanfare parle défiler sur le boulevard là, pour l'Espagne. Ou pas gagner dans différentes zones, sous place, après, il y a une animation musicale. Côté que longtemps, l'autre petit monde, pour mon qui a dit que, ou qu'on a gardé sous place, on a dit qu'on a septembre, on a joué, on a la médaille, on a joué. C'est-à-dire que nous parlons de toute différence, mais c'est pas, cette fois, c'est pas la médaille, mais c'est pas septembre, mais c'est Mouchka, qui lui-même nous connaît, qui c'est
son institution de jeunes qui dans musique qui a formé jeunes qui parlent dans différents espaces dans ville là, c'est que nous gain toute ville là côté qui parle animation. Ça veut dire que gain plusieurs événements, ça va dépendre de qui événement côté ouais, mais bon concert classique qu'on est pas les sans souci son mariage de classe. C'est-à-dire que ou pas qu'à faire un mariage classique et puis qu'on a pas grand espace plus ou moins qui est approprié. C'est-à-dire que bon concert classique qu'a fait dans un jour dans plein d'activités qui rien sous parler sans souci. Bon événement qu'a fait sous Dakar en termes d'innovation sous Dakar et sous Citadel. Bon mariage les Citadel à l'eau. C'est-à-dire que ou pas rien mon abdomen Citadel avant fait c'était moi abdomen Citadel. Vous comprenez c'est pour la première fois mon abdomen Citadel mais où on a fait fouet Citadel et puis qu'on a l'heure levé un matin 5h du matin. Et puis, il y a une musique classique qui a joué en haut. Et puis, on a mis ça à faire, on va l'essayer. Pendant la fête, on a reçu un peu de monde. Après, c'est un peu de monde comme ça. Mais, et puis, on va l'essayer, par exemple, avec différents médias. Et puis, on va l'essayer live. Pour que quelqu'un soit autorisé, on va vivre l'événement. C'est-à-dire que ça m'est si ça de la loupe. C'est-à-dire que c'est un mec innovant qui a fait pour la première fois. C'est-à-dire que je pense que c'est des expériences qu'il a essayé de faire. Et c'est ça qui fait force. Et destination. Ça fait que événement même fait plusieurs côtés, il y a événement sur la Badi, il y a événement sur le boulevard, il y a artistes internationaux qui entré pour la première fois en Haïti que et jeunesse connaît parce qu'on est un public jeune qui là. Ça veut dire que nous mon lundi acteur et événement et organisateur mais opérateur événementiel ça même il y a plusieurs événements pour gagner un course par exemple avoir gagner un course gagner monde par exemple qui pourra louer et ça dans aller pour la Polaris avoir gagner des défilés pour la Polaris qui va monter qui va descendre c'est métier bon vie ça va gagner dans fin mois j'aime de dire de 25 et l'autre événement qui gagne qui est important tout parce que il y a toute forme d'événement gagner Rotary Club International qui a gagner 34e et assemblée des clubs imaginez au club pour que tout club qui dans pays a et même dans 10 salaires 10 70 20 au niveau intéressant, on a fait assembler ça au Cap. Et en dans l'assemblée, il y a bien plusieurs événements. C'est-à-dire parce que les gens qui viennent au Cap, c'est-à-dire que la mairie a bien pour accueillir les gens en welcome. Et puis maintenant, il y a fait activité dans le Fort Saint-Joseph, il y a fait activité la Coubreda. C'est-à-dire qu'il y a différents sites qui sont ciblés. Maintenant, c'est Jean Doula, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul site, mais c'est Cap Haïtien qui est en valeur, c'est le Nord qui est en valeur. C'est ça qui fait que je dis à nous penser que nous avons intérêt pour que nous travaillions avec d'autres acteurs. N'a fini journal là dans département Sud pays d'Haïti, organisation qui porte nom Partners of the Americas présenté week-end passé à loi sur fortification alimentaire qui fait obligation pour farine, l'huile axic qu'à vendre sous territoire pour y ajouter micronutriments là-dedans. Directeur technique organisation Dr Ruth Climat fait qu'on est objectif projet ça, c'est encourager consommateurs yo pour y capable qu'on est important ce micronutriments yo. On suit plus explications dans micro correspondant au site de Richmond Joseph pour Ellen TV. Docteur Climat, moi c'est directrice technique projet renforcé qui c'est un projet qui est implémenté par Partners of the Americas et qui est financé par USAID. Donc c'est un projet qui a supporté le gouvernement haïtien dans mise en œuvre loi sur fortification alimentaire. Donc, c'est une loi qui est publiée dans le Moniteur en février 2017 et qui fait obligation à ce que farine, l'huile avec celle qui vend sur le territoire national fortifié, c'est-à-dire pour ajouter des micronutriments là-dedans. Dans la farine, il doit gagner fer, acide folique, zinc, vitamine B1, B2, B3. Dans l'huile, il doit gagner vitamine A et puis dans celle-là, il doit gagner iode. Donc, yon volet dans le projet, c'est sensibiliser les consommateurs pour être capable de connaître l'importance des micronutriments yo, et puis faire choix de produits fortifiés. Donc, c'est pour ça que nous là, dans la ville locale, depuis mercredi, côté que nous avons des séances de sensibilisation que nous avons organisées pour étudiants, université et américaine de la Caraïbe. D'abord, que nous avons fait une première session mercredi. Ensuite, jeudi, nous avons touché l'autre étudiant qui est dans l'autre université avec l'autre école professionnelle dans la ville de Kay avec la zone qui est environnante. Et puis, matin, nous avons organisé une séance pour boulangerie, pâtisserie, monde qui est dans la restauration pour être capable de connaître l'importance des micronutriments et puis choisir les produits fortifiés, les préparer, manger, les faire pâtisserie, les faire pain.
Alors, l'initiative n'a pas venu de nous-mêmes. J'aime dire nous, c'est le gouvernement n'a pas supporté. Donc, le gouvernement choisit la fortification alimentaire comme une stratégie. C'est parce que nous avons une prévalence élevée de malnutrition dans le pays d'Haïti, spécialement de carence en vitamines avec minéraux. Et fortification alimentaire, c'est une stratégie qui est implémentée dans plusieurs autres pays qui démontre un impact positif pour aider à combattre la carence en micronutriments. Alors, je nous dis, l'objectif, c'est goûter contre la carence en vitamines avec minéraux. Donc, les produits disponibles, les populations ont fait choix de eux, ça permet de joindre les micronutriments à eux, donc qui va améliorer le niveau de santé. Les produits sont déjà disponibles sur le marché, hein. C'est ça qui fait nous sensibiliser les gens pour les connaître, parce que dans le monde qui n'est pas au courant. Donc, je nous dis, ces trois produits, farine, huile, sel, les populations allées dans le marché ou bien allées dans la market, ils ont regardé sur l'emballage, sur la farine, ils ont besoin de toute liste de micronutriments que j'ai cité déjà, à savoir fer, acide folique, zinc, vitamine B1, B2, B3. Celui-là, il est enrichi en vitamine A et puis celle-là écrit sel iodé. Donc c'est juste pour faire attention, garder son emballage là et puis produire disponible. Je n'en arrive pas à bout de liste, amis téléspectateurs, mais avant nous aller, quittez nous rappeler quelques grands points qui étaient développés. Premier ministre Ariel Henry, dans tête collée avec tout l'autre membre du gouvernement LIA, visité quartier général Lamy d'Haïti vendredi 17 mars 2023, dans objectif pour adresser la toute force Lamia et puis exprimer préoccupation sur l'insécurité à cap gangrené PIA. C'était occasion pour chef primati à rappeler FADH là, tout PIA attend li pour venir porter secours. Ministère éducation nationale et formation professionnelle a annoncé démarrage officiel enregistrement l'école en ligne et puis présenté plateforme enregistrement en ligne là à comment processus ça capable entamer. Parmi principes ça yo, email c'est premier principe qui doit respecter journée lundi 20 mars 2023 dans objectif pour connaître combien l'école cap fonctionner en ligne à comment il a fonctionné dans pays là. Si yon l'école pas entamé processus ça, il pas joindre possibilité pour participer dans l'examen officiel l'État. Force opposition radicale pour changement annoncé dépôt en plainte dans le tribunal première instance Port-au-Prince mardi 28 mars 2023 contre premier ministre Ariel Henry pour incompétence li depuis 20 juillet 2021 pour jour journée jeudi a mélangé à pile massacre qu'a fait dans quartier populaire gang armé qu'a terrorisé population et la trier dans sens ça stricti a fait appel à toute population pour accompagner dans cadre dépôt plainte ça divers broquettes en coup d'ortilus vendio Luce, Nixon Julien et Raymond Lindor dénoncé directeur de douane Saint-Macla Mario Monplaisir yo di ki ta fait mauvaise gestion nan institution an nan sans ça broke sa yo mande ULCC pour mener bon jan enquête sou façon directeur Monplaisir a dirigé douane Saint-Macla. Merci à tout monde qui tape sur journal 509, nous bon rendez-vous demain mardi pour l'autre édition journal. Bonne semaine tout monde, à demain.